Yo les gens, ici Rafi Gaming, on se retrouve pour une plus courte vidéo avant le début de cette nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc je vous présente aujourd'hui le site partenaire de ma chaîne, JohnSpur, qui propose des maillots de foot très bas prix. Vous avez plusieurs versions, donc vous avez la version standard. Par exemple, je vous prends l'exemple du maillot de Real de Madrid qui est à 19,99 et la maillot authentique qui est à 25,99. Donc quelle est la différence entre les deux? C'est qu'il y a la version normale et la version joueur. En fait, c'est comme le maillot que vous pouvez acheter version joueur. Meilleure qualité pour celui-là que cela à 19,99. Vous retrouverez sur ce site des maillots club, nation, rétro, authentique. Donc authentique, c'est ce que je viens de vous dire. Entraînement, femmes, jeunesse, NBA. Et vous avez directement les nouveaux arrivages directement dans cet onglet. Vous pourrez profiter de mon code de 10% RAP10 pour avoir 10% sur votre commande. Et la livraison est offerte à partir de 169 euros. Donc vous retrouverez tous les liens dans la description de toutes mes vidéos et mes lives. Donc moi je vous dis à prochaine et bonne vidéo à tous. Salut! Les gens, ici Rafi Gaming, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne. Donc j'espère que vous allez bien m'entendre avec mon micro. J'ai branché mon micro sur ma caméra directement, comme ça c'est plus simple. Parce qu'avec ma caméra que j'ai pour filmer, en fait vous allez juste entendre le son du micro de la caméra. Donc j'ai branché, en fait je peux pas mettre directement le micro à fond, sinon ça fait un bruit dedans dans mes oreilles. Donc là je vais vous trouver aujourd'hui une nouvelle vidéo hallboxing. Il y aura la suite qui va arriver dans une prochaine vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous hallboxer la pop de Netflix The Witcher, donc la série Netflix The Witcher avec Geralt. Aujourd'hui on va hallboxer cette pop là. J'espère que vous allez bien la voir. Voilà cette pop là, franchement jolie. C'est la numéro 1317. Et dans cette collection on retrouve Geralt. Après on a Yennefer. On a Ciri, pour ceux qui connaissent la série, donc Ciri. On a Jaskier, donc Jaskier c'est le troubadour on va dire. On a Geralt avec son épée, alors moi j'ai Geralt avec son bouclier et son épée. Et on a également Ciri avec son épée, donc on a deux fois Ciri. On a Ciri normal et Ciri deuxième. Donc voilà pour la collection des pop The Witcher qui sont vraiment jolies. Je pense que je vais peut-être essayer d'avoir toute la collection. Bon moi je l'ai trouvé. Les deux pups, donc j'ai Yennefer et Geralt, je les ai trouvés à Stokomanie au prix de 5,99 la pup. Donc ça vaut le coup, ils faisaient une opération, donc c'est pour ça que j'en ai profité. Donc je sais pas après si Stokomanie vendait la collection entière ou ils ont juste eu Yennefer et Ciri et Geralt. Donc on va le boxer tout de suite, donc je vous montre tout de suite la boîte comment elle est. Donc de face, d'autre côté on a écrit Geralt avec le 1317. Derrière, on a toutes les figurines qui sont dans la même collection et l'autre côté, on a la pup directement en question. Voilà. Donc on va le boxer, voir ce que ça donne. Donc je sais pas trop abîmer la boîte. Bon après, j'ai pris l'habitude depuis le temps que je fais des vidéos à bien le boxer mes Funko Pop. Ah voilà, hop. Donc voilà, ah, elle est vraiment jolie, ah, elle est vraiment belle. Ah, elle est vraiment belle, oh, elle est magnifique franchement. Alors est-ce que, non, il y a le bouclier, ah franchement elle est vraiment belle. Les détails sont vraiment bien faits, je vais vous montrer ça tout de suite. Vous voyez, franchement, elle est vraiment magnifique comme pop. C'est vraiment magnifique, elle est vraiment belle. Je la trouve super jolie. Voilà, en espérant que vous m'entendiez bien dans la vidéo. C'est le principal, de toute façon. Voilà, donc ça va être une vidéo de quelques minutes, hein, ça va pas être très long. Vous voyez, vraiment jolie, je vais essayer de vous la montrer comme ça. Donc j'ai mis un peu de lumière avec moi, j'espère que la lumière va pas être trop forte. Mais j'ai mis un peu de lumière pour qu'on voie quand même un peu mieux. Franchement, vraiment joli. Alors, bouclier, je sais pas ce que c'est. Est-ce que c'est un pouvoir? Est-ce que c'est un bouclier? Je sais pas ce que c'est. Pour moi, c'est une vague d'énergie. Une sorte de vague d'énergie, voilà. Voilà, vraiment, vraiment pop, vraiment top cette pop, voilà, excusez-moi. Puis avec les cheveux, donc on a les cheveux qui sont en deux parties. On a les cheveux, donc en fait là vous voyez, on a la coupe de cheveux, et ils ont rajouté deux mèches pour faire les cheveux devant. Je sais pas si vous allez le voir dans le détail, vous voyez, ici on voit que c'est coupé. Ici et ici, c'est coupé, en fait. C'est collé, en fait, ils ont rajouté des cheveux en plus, donc les cheveux sont en deux parties. Voilà. C'est en deux parties les cheveux. Donc on voit les oreilles dépasser un petit peu sur le côté. Vraiment, vraiment joli comme pop. Vraiment, vraiment. Alors est-ce que le numéro correspond au numéro de la pop? Parce que pour savoir si c'est une vraie pop, vous avez des numéros sous les pieds. Donc, je sais pas si vous allez voir le numéro. Attendez. Est-ce que j'ai du bon sens? Voilà, c'est là. Est-ce que c'est du bon sens là? Voilà. Ah, donc le numéro c'est GFT. Je vois pas trop, c'est trop petit. 2300 330. Est-ce que ça correspond au numéro qu'il y a sous la boîte? Ouais, GFT 230 330. Donc ça correspond bien au numéro. Donc c'est bien des pop officiels. C'est vraiment une vraie pop, c'est pas une contrefaçon. Donc, je la remets dans sa boîte, vraiment jolie. Je vais vous faire tout de suite le unboxing de la seconde pop.
Mais franchement, vraiment jolie, je la trouve vraiment belle celle-là. Hop. En plus, moi j'aime bien garder les boîtes, comme ça, ça reste propre, voilà. Et là, du coup, derrière, on a le code barre, donc scan strike more, donc on peut scanner ça, on a Funko. Donc ça, ça se voit que c'est des vrais pop, c'est pas des contrefaçons. De toute façon, Stokomani, c'est obligé de vendre des vrais pop. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez la chaîne des magasins Stokomani, essayez d'y aller souvent, ou regardez dans les catalogues, souvent ils ont des pop, et là, ils avaient Boruto également. Ils avaient Senseiya de Pégase, mais moi j'avais pas, moi je suis allé trop tard. J'aurais dû y aller directement dès que c'était la promotion que c'est commencé. Et mais franchement, ils avaient Thanos, ils avaient du Dragon Ball, ils ont même une pop de... Elle est comme ça à peu près la pop, la boîte est comme ça, la boîte. 10€, vous avez la pop de... comment ça s'appelle, Maria Carey. Vraiment, ceux qui aiment bien les chanteuses, bah vous pouvez avoir celle de Maria Carey, elle est vraiment jolie, elle est à 10€ la pop. Et là, moi, la pop, je les ai payé 5,99€. Donc voilà, cette nouvelle vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de liker, partager, commenter mes vidéos, suivez, bye, portez bien. Peace.